Yankee, ah, bonne santé, ah, te voilà. Ah bon, on se connaît. Ah, oh, mais je te vois là, alors je te dis, vive Las Vegas, poupée. Écoutez, Justine, on sait que s'est établie ici la société Virtucon. On pense qu'elle pourrait être liée au docteur d'enfer. Beaucoup de dirigeants de Virtucon sont des habitués de ce casino. Super, allons-y. Tenez, en voilà un justement. $1000 de jetons. Hello. Excusez-moi. On peut se joindre à vous? Bien sûr. Nous jouons au blackjack, messieurs. Mise minimum $10,000. Un roi, un 3. Vous avez 17. Carte, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous avez 17. J'aime vivre dangereusement. 4, Blackjack 21. Ouais. 5. Alors, servi. Je vous conseille de prendre une carte. Moi aussi, j'aime vivre dangereusement. Comme vous voudrez, monsieur. 20 à la banque. Vraiment désolé. Ouf, autant vous le dire. Les cartes, c'est pas mon truc, poupée. Je vois que vous mourrez d'envie de savoir qui je suis. Alors, je me présente. Je m'appelle Richie Cunningham. Et je vous présente ma femme Oprah. Je m'appelle numéro 2. Et voici ma secrétaire particulière, Delta. Delta de Fagin. Comment? Delta de Fagin. Pardon, pendant une seconde, j'ai cru qu'elle s'appelait Delta de... Oublions. Et vous faites quoi, au juste, comme métier, monsieur Deux? Je m'occupe de mes affaires. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille au petit coin. Lâchez pas la ritale d'une semelle. On se retrouvera après dans notre suite. D'accord. Pas vu. Eh, monsieur, vous n'avez pas vu. Désolé. Oh! Salut! Wow! Dites, en voilà une tenue originale. Bravo, vieux. Merci, c'est gentil. Vous êtes dans la revue? Non, absolument pas, je suis anglais. Oh, pardon. Et alors, confortable? Tout va bien. Faut pas forcer comme ça, sinon vous allez vous exploser le trou de balle. Prenez votre temps. Alors, connard, tu vois bien que je suis le plus fort. Tu vas me dire pour qui travaille numéro 2? C'est ça, montrez-lui à cet étron que c'est vous le patron. Le bout, c'est le moment de serrer les dents. Petit effort et c'est bon. Courage, faut conclure. On dirait que c'était pas de la tarte. Et pitié, tirer la chasse deux fois. Mince, je parie qu'hier soir, vous vous en êtes mis plein la gargoulette.